Acheter et vendre malin pourrait être la devise de Ovide Grenier, nouveau vide grenier permanent installé à Jetigné aux 2 bis rue de la Pépinière. Comment ça marche? C'est simple. Vous choisissez les dates où vous souhaitez exposer, vous déposez vos articles à la date choisie, Ovide Grenier les vend et vous récupérez vos gains. Explication. Alors un vide-grenier permanent, c'est un lieu couvert où les gens peuvent venir déposer leurs affaires qu'ils veulent se séparer, vendre, qu'ils n'ont plus besoin. Tous les jours de la semaine, c'est ouvert, c'est le contrario du vide-grenier du dimanche matin, on va dire, où les gens ont la possibilité d'avoir un emplacement, de déposer leurs affaires qu'ils ont à vendre, et après, nous, on se charge de faire la vente à leur place toute la semaine. Alors, il y a des conditions, je suppose. Oui, tout à fait. Les conditions, donc la location du box. Donc, on a deux types de box qui sont proposés aux clients en fonction des articles qu'ils ont à vendre. Soit on va les orienter sur une penderie s'ils n'ont que des vêtements à vendre. Soit on va les orienter sur un stand s'ils ont de la décoration, des jeux, des vêtements pour enfants. Voilà, auquel cas, on va les orienter sur un stand. Donc, la location du stand, c'est 10 euros la semaine, 20 euros les deux semaines, 25 euros les trois semaines. Pendant toute la période de ce contrat, ils auront la possibilité de venir recharger leur stand autant de fois qu'ils veulent. Les gens ne sont pas limités en quantité d'objets. Après, s'ils ont des objets un petit peu plus importants, ce que nous on appelle les encombrants, des choses qui ne peuvent pas rentrer sur le stand, on a des zones spécifiques à ça, qui sont où les gens peuvent venir déposer des meubles, des articles de sport, de la périculture. Et tout ça, on a une petite zone spécialement pour ça. À la fin du contrat, nous reversons 65% de la vente qui a été effectuée dans le stand. J'ai cru apprendre que vous étiez le premier réseau de France de vide-grenier. C'est le premier réseau, oui, de vide-grenier permanent qui a été créé par M. Chassagne. Il y a déjà 5 ans, 6 ans. Et il y en a beaucoup en France ? Alors nous sommes 38 magasins actuellement en France et en prévision, M. Chassagne pense aller sur les 50 magasins d'ici 1 ou 2 ans. Alors, quel est l'intérêt pour les gens de venir déposer effectivement leurs effets ici, par rapport au Bon Coin par exemple ? La première chose qui est importante, c'est que en fait, les gens, quand ils déposent leurs articles ici, c'est que les acheteurs, les potentiels acheteurs, peuvent voir en fait le produit qu'ils vont acheter. Contrairement au Bon Coin où ils n'ont qu'une photo, ici, ils vont avoir la possibilité de voir le produit et même de le tester avant de pouvoir l'acheter. Et bien sûr, ça donne une deuxième vie aux affaires. Alors ça, c'est une de nos priorités. Hein. L'économie circulaire, c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, sur lequel on insiste beaucoup. Et de donner une seconde vie à un produit, c'est extraordinaire. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et qu'on arrête un petit peu le gaspillage. Ça, c'est aussi très important. De réutiliser des choses qui ne sont pas usées ou qui ne sont pas obsolètes, de pouvoir leur donner une seconde vie, oui, à quelqu'un qui en a besoin. Avec un arrivage tous les jours, vous trouverez certainement votre bonheur à petit prix. Ovide Grenier ouvre ce mardi 18 janvier. Et retrouvez toutes les infos sur www.ovidegrenier.fr.